Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci de partager le live. Voilà. Bipez-moi la tête cassée. Bipez-moi toute la tête cassée. Ils sont en tas comme ça sur moi. Bipez-moi la tête cassée. Est-ce que la tête cassée est dans la salle? La tête cassée fait les bruits. Faites des bruits, on va entendre. Je ne vois pas les commentaires. Je vous dis bonsoir, vous ne répondez pas. Hein? N'est-ce pas la politesse? Quand on dit bonsoir, vous dites aussi bonsoir. C'est quoi? Vous ne répondez pas pourquoi non? Hein? Vous ne pouvez pas répondre pourquoi? Vous ne répondez pas pourquoi? Hein, mes gens, mais pourquoi vous ne répondez pas, vous? Yeah, wonderful. Une seule personne a liké la vidéo, maman. Hé, 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 oui, partage. Pardon, faites un tour. Pardonnez, oh, le soco. Très belle avec la coiffure. Tu es déjà aux États-Unis, mamie. Non, maman, je suis encore au Cameroun. Quel États-Unis? Il y a les bambous aux États-Unis. Maman, oh, je vais rendre ma rapatrier, maman. Laisse-moi caler au Cameroun. Ma rapatrier, non. Mon Cameroun. Hein? Bonsoir, Madoka. C'est deux cas du foie. Lolo n'a pas pris Papa Fondia à une femme. Bonsoir, Madokas. Madokas, tu recommences avec le Njansan. Hey! Nina, je fais avec le Njansan avant. Hey, wonderful day. Wonderful day. Nina, tu m'as vu là où on achète le Njansan ou quoi? Florence, bonsoir à toi, ma chérie. Madokas, toi-même, tu n'es pas facile. Hmm. Nina, ça laisse qui, maman? La tête cassée sur moi comme ça en tas. Pardon, bipez-moi la tête cassée. La paix est bien, mes gens. La tête cassée, la paix est bien. Tout le fouma, fouma que vous êtes en train de faire sur moi. Vous n'êtes pas fatigué, la tête cassée. Hein? Tout le fouma, fouma que vous êtes en train de vous agiter. Voir Lisette à Kourou, elle s'agite. Elle la vieille peau là. Elle s'agite avec mon nom. Hein? Elle va faire les laves en bracata. Elle lave en bracata. Tu me caches, tu n'as pas sans vie. Hey! Oh, Lisette Akudo, maman, oh, elle est dans le noir en train de se masturber. Elle est mon nom. Je casse. Elle te montre. Il faut arrêter ça. Il n'y a plus rien que vous pouvez faire à quelqu'un sur Facebook qui peut ébranler quelqu'un. Sinon, c'est que les gens sont battus de Facebook. Vous agitez trop. Bon, vous avez dit que, oh, hein, tu viens seulement parler pour ma pépé. Hein? Voilà ton frère Fondia, parle pour Fondia. Bon, voilà le dossier Fondia, le dossier compresseur. Est-ce que c'est les cas similaires? Voilà le titre. Venez la tête cassée, venez me prouver que les deux cas sont similaires. Venez, on va parler. Il y a quoi? Hein? Voilà le titre. Est-ce que le cas compresseur et le cas Fondia, c'est les cas similaires? Peut-être moi je ne connais pas. Hein? C'est vrai qu'un titre que j'ai mis. Donc les protagonistes vont venir nous dire si c'est un cas similaire. Ok? Les protagonistes vont venir nous dire là. Ok? Donc, oh, Dakas! Hein, on va te montrer. Hein, Dakas, on va te montrer. Elles agilent un peu froid, c'est là sous mon nom. Ouais, qu'elle voit ma belle famille si s'agite sous mon nom, hein. Ça m'amuse moi jusqu'à. Ouais, vraiment, ma belle famille ici. Vous allez faire quoi? Vous allez me chasser à mariage. Vous allez faire quoi alors? Pardon, venez même pas votre frère, vous partez avec lui. Je cherche même mon frère Bamileke. C'est même quoi? Pardon, venez prendre votre frère ou partez avec lui. Mais t'es cherché comme mon frère Bamileke.
Trop de chantage. Trop de chantage. Pardonnez. Je suis fatiguée avec vous. Je suis fatiguée avec votre chantage. Ok? Venez prendre votre frère par la table. Maintenant, je cherche un bamlik. Tu vas bien me garder. Eh, hey, Seigneur. Allô? Oui, là. J'arrive alors. Tu arrives où? À 21 ans, non? Tu arrives aujourd'hui, là? Oui, comme tu dis que tu n'arrives pas à envoyer, là, non? Je vais chercher. Non, comment? Tu vas dépenser près de 2000 francs pour qu'elle t'envoie combien? 10 000 francs. Il y a une petite fille, là. Il y a une petite fille qui vient de rentrer de l'école, là. À côté de moi, ici, là. Je lui ai dit qu'elle passe déshabillée, viens, je vais l'envoyer. Je vais lui donner, elle va t'envoyer ça. Tu vas dépenser, partir de là où tu es pour 6, c'est 2000. Tu vas dépenser 2000 francs pour 10 000. Ça, ça. Okay. Hein? Elle vient de rentrer de l'école. C'est Emma Roland. Ok, d'accord. Elle va t'envoyer ça. Dès qu'elle est partie, elle est partie chez eux, se déshabiller, elle va manger, après elle va monter, je vais l'envoyer. C'est qu'elle est sûr, je vais t'envoyer ça ce soir, ne te dérange pas. Il t'a promis, non, il va te donner. D'accord, tout à l'heure. Je vais te donner. Fais d'argent au pays. Tu promets, ça devient. Ah, wonderful. Oh. Donc, venez. Les TKC ne me laissent pas respirer. Les TKC sont en tas comme ça là sur moi. Ils sont en tas. Quand donc, tu vas parler. Si tu parles au dossier de ma pépé, parle d'abord pour ton frère Fondia. Parle d'abord, ton frère Fondia. Oh, ta soeur, elle dit qu'elle mougou avec les gens. Elle mougou quand elle veut, elle monte, elle descend, elle part à gauche, elle vient à droite. Voilà le cas compresseur avec Thierry. Voilà le cas, le couple Fondia. Ok? Je mets seulement le couple Fondia parce que il y a actuellement il y a deux femmes, ok, dans le couple Fondia, et dans le couple compresseur il y a deux hommes, ok. Donc maintenant voilà les deux dossiers. Je veux qu'on débatte ensemble. Je veux que vous montez dans le live ici, que chacun me donne son avis. Si entre le dossier Fondia et le dossier compresseur, c'est des cas similaires. Si ce n'est pas les cas similaires, expliquez-nous pourquoi ce n'est pas les cas similaires. Voilà. Ouais. Le réseau, ça va nous déranger. On signale seulement. Où c'est le réseau? Hein? Ouais, où ma personne, Lune, c'est elle qui connaît souvent décortiquer les dossiers. L'homme, ça envoie ta demande. Je vois comme si j'étais dans le live, non? Envoie ta demande, Marco. Tu entres dans le live. Ouais. Ouais, maman. Pardonnez. Venez alors. Où sont les TKU? Les TK. Non, parce que j'ai dit les TKU, vous avez dit que vous avez insulté. Parce que si vous ne verrez pas dans le live, défendre votre thèse. Que on doit aussi parler le dossier du couple Fondia. Hein? Parce que. Hein? Ok. Envoyez les cœurs, non, mes gens. Pompez les cœurs. Vous voyez comment les TK se sont signalés le live. Vous regardez, vous n'envoyez pas les cœurs comment? Envoyez les cœurs. Est-ce que j'ai clashé les TKC? On n'a pas clashé les TKC, non. C'est vous qui dites que non, on doit parler du dossier Fondia. Maintenant, voilà le dossier Fondia. Venez, allons, on parle. Oh, tes soeurs sont là, tu ne parles pas de les choses. Tu ne parles pas de les choses. Tu as peur de parler les choses. Ce n'est que de maman Pépé que tu viens parler. Yugo. Venez, allons, nous dire ce que vous voulez qu'on dise. C'est similaire. Wonderful. Ok, Seigneur, envoyez les cœurs.
Envoyez les cœurs, nous sommes sauvagement signalés. Nous sommes sauvagement signalés, envoyez les cœurs. J'ai changé de réseau, hein, pour voir si c'est un problème de réseau. J'ai changé de réseau pour voir si c'est un problème de réseau. Donc si l'autre réseau aussi dérange, c'est que c'est le réseau. Mais si ça ne dérange pas, ça veut dire qu'on est victime des signalements. On est en train de signaler le live. Qui avait pris le fiancé de maman ministre jusqu'à la rendre dépressive? Qui avait pris le fiancé de maman ministre? Moi, je ne sais pas. Hein. Oui. Elle te traite de tête de pape. Et toi, tu l'appelles. Eh non, l'autre là seulement, je n'accepte pas. L'autre là seulement, les têtes cassées. L'autre là seulement. Je dis que l'autre, la tête de papin là, je refuse ça. Je refuse le nom là. Je refuse ça. Je refuse ça aujourd'hui, demain, après-demain. Le nom de tête de papin là, c'est pas moi qui ai tête de papin sur Facebook. Tête de papin, c'est Mère d'Aloi. Non! Tête de papin, c'est Mère d'Aloi, ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas m'attribuer le nom de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas accepter. Pépé, tu m'allais, tu dois enlever le tête de papin de 15 que tu as mis là. Tu dois enlever ça. Toi-même, tu es consciente que ce n'est pas moi qui étais de papin sur Facebook. Ce qui était de papin, c'est Mère d'Aloi. Mes noms sont connus. Mes noms, comme m'a donné sur Meta, c'est connu et c'est clair. C'est connu de tous. Il n'y a personne sur Meta qui peut dire qu'il ne connaît pas mon nom. Mon nom est connu de tous sur Meta. Ok? Mon nom est connu de tous. Donc, tête de papin là seulement, retirez ça. Tête de papin de 15 là, compresseur, je ne suis pas d'accord. C'est ça qui m'a le plus fait mal dans ton clash. Ce n'est pas ce que... Non, c'est tête de papin là. Je veux que tu refais là, tu enlèves le mot là. Je ne suis pas tête de papin sur Meta. Tout Meta connaît que ce n'est pas moi. Que c'est Mère d'Aloi qui est tête de papin de 20. Non. C'est Mère d'Aloi, tout le monde connaît. Que sa tête commence ici à l'est, ça arrive à l'ouest. Tout le monde connaît ça. Eh, compresseur, regarde ma tête. Toi, me regarde. Compresseur, regarde ma tête. Comment tu peux me dire que moi, tête de papin, regarde ma tête. Est-ce que ma tête ressemble à celle de Mère d'Aloi? C'est Mère d'Aloi qui a tête de papin sur Facebook. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas usurper le nom de quelqu'un. Hein? J'ai mes noms sur Facebook. Hein? Zéro comparaison. Ouais, tête de papin. Ah ah, Claude Akam. Pas même Claude Akam, le président national des faux profits, qui reconnaît que depuis des décennies, c'est Borosangi alias Mère d'Aloi qui était de papin. Mon nom cherche quoi dans tête de papin? Mes noms sont connus. Mes noms, c'est Iyamapa, Iyamafamla, qui est encore là? Le Fombo. Il y a encore qui que vous me donnez souvent là? Il y a encore que non. En tout cas, les trois noms reconnus officiellement que vous m'avez donné, c'est ça, non? Parce que chacun a son petit nom qu'on donne sur Facebook. On fait avec. Mais tête de papin, là, il ne peut pas accepter l'autre là. L'autre là seulement, je ne peux pas accepter. Tête de papin, jamais. Je ne peux pas accepter compresseur, tête de papin là, jamais. Mais tu colles ça sur moi, il va dire non. Ce n'est pas moi, je ne suis pas tête de papin. On a une seule tête de papin national reconnue officiellement sur Facebook, c'est Mère d'Aloi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ok? C'est pas moi. Donc, chacun assume son nom. Le père? Oui. C'est comment, non? Oui. Bonsoir. Dans la chaise, vous pouvez vous asseoir. Vous avez fini. Ah! Je vous donne la table. Il y a Isenberg, la Guinness. Il y a encore quoi? Mettez la page, non? C'est la page.
bois de l'eau, c'est qui gagne. Je donne la cage. Oui, donne la cage. Blason, non, blasé. Non, ça ne m'aide pas. Je donne. Il y a la trampoie. La trampoie gagne. Je ne sais pas. Non, la cage. Qui gagne. Je donne le blasé. Non, pour moi, non, blasé. Non, okay, non. Blasé. Même chose, non, blasé. Je ne sais pas. Il fait chaud, voilà, les gens boivent, vous savez, les gens. Moi, je vois que vous venez de glacer. Tu sais que la glace, ça, beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas attendre. Ils ont la table. Beaucoup de gens comprennent maintenant que la glace n'est pas contente. Comment la pierre a été comme ça? C'est pas vrai. Eh, pardon, c'est moi, Kaji. C'est Kaji qui charge ses bouteilles, non, papa. On décapsule seulement, non. C'est Kaji qui charge. Ici, donc tu viens passer tous les jours. Un beau quartier comme ça, tu laisses en vie faire quoi? Tu as vu comment on respire l'air pur ici là? Hmm? Je travaille ici. Il y a une maison que je suis venu frapper les papiers. Ah. Oh, l'entrée de l'autre côté là-bas. Ah, c'est ça qu'elle dit. Leur entrée, c'est pas là-bas. Les gens s'y attendent quoi pour mettre les têtes. On a les vrais problèmes. Vous cherchez ce que vous allez boire jusqu'à gagner pour boire encore. Voilà. Tu es forte pour eux, mais tu caresses ceux qui crachent. Ah, maman, tu veux faire comment? Voilà. Bon, moi, ok, les têtes cassées. Si vous ne venez pas dans le live, nous dire si les deux cas sont similaires, pardon, vous fermez vos bouches à jamais. Ça veut dire que vous êtes seulement derrière en train de faire wou. Voilà l'occasion pour vous maintenant pour venir parler du dossier Fondia. Que tous les jours, oh Fondia, parle de ta soeur. Parle. Tu as peur de tes soeurs. Oh, tu couvres tes soeurs, mais tu exposes. Oh. J'ai donné mon avis. Je n'ai aucun pouvoir avec Pepetu Maliba. Jusqu'à preuve du contraire, Pepetu ne m'a pas craché. Même tête de papin qu'elle m'a donné là. C'est normal, non. J'ai lancé un panel sur elle, non. C'est normal. Tête de papin, moi, je ne trouve pas ça qu'elle m'a craché. Non. Donc. Jusqu'à peu de compter, j'ai pas de problème. Les nyamanyama à côté là, qui sont en train de s'agiter là, que. D'accord. Elisette à coup de les vieilles peaux de 70 ans là. Hein? Eh bien, ma photo. Hein? Dorcas, c'est au moins 70 ans. Bien, mais ta soeur du noir, Elisette à coup de, on te voit. Me voici. Regardez. Je dors bien. Regardez comment je n'ai même pas de seins. Regardez. Hein? Vous voyez, non? Vous voyez, vous ne voyez pas. Donc, Lisette Akudo, si tu veux me parler, tu sors du noir. Parce que c'est comme ça que vous êtes souvent dans le noir. On vous entend parler, on croit que vous êtes quelque chose. Mais le jour que la caméra se retourne, le jour que vous sortez du noir, on voit les espèces en voie de disparition. Les espèces en voie de disparition. Les gens que quand tu voyais comment il était dans le noir, c'est qu'elle clashait les gens. C'est qu'elle clashait les gens. Tu n'imagines pas que voici celle qui clashait dans le noir. C'est comme ça que vous êtes. Sors dans le noir aussi te voir, vous les faux profils là, que vous êtes tous dans le noir en train de parler des gens. Sors des faux profils, on va te voir aussi. Tu as plein de collègues faux profils qui sont sortis du noir là. Quand on a vu là, mais chacun a failli tomber évanoui. Personne pour rattraper l'autre parmi les toutes là. Mais vous êtes là sur Facebook. Lisez la coudou. Bien te montrer. Je vais te voir. Parce que ta bande là, on a vu qui est Sandra Mimbang. Sandra Mimbang, elle n'est rien. On connaît à qui elle est, on va encore dire quoi d'elle. Christian de Monaco, on l'a vu ici, un petit Nchele qui a raté sa vie. Un petit Nchele même qui se cherche encore. Ma qui
Et Chamale, on l'a vu ici, là. La caméra s'est retournée, on a vu son vrai elle. Je veux que ta caméra se retourne sur toi, Lisette Akoudou. On veut voir que tu es une vieille peau comme ça, là. Wakouma, Koboma, et Wakoboma, tu peux me parler, Lisette Akoudou. Il faut que tu sortes dans le noir, on veut te voir. On m'a dit que Obama, tu as 80 ans. Pourquoi tu es dans le noir de te cacher? Que Obama, tu as au moins 80 ans. Regarde-moi, je suis au Cameroun. Lisette Akoudou, moi, voici, je suis au Cameroun. Sors ta part, on voit. Sors du noir avant de me parler. Une personne qui est dans le noir, tu ne peux pas te répondre. Sors du noir, Lisette. Sors du noir. Ngredoka, je vais te montrer. Je vais, en dehors de parler dans ton faux profil, tu vas faire quoi? Weibo, Tchegedjom. Tu vas faire quoi? Bah, rien faire. Mado, laisse cette Lisette. Elle a déjà ramassé les péchés du monde. Ce n'est qu'une question de temps. Ah bon, hein? Tu mets ta caméra que Dorcas, je vais te clasher. Dorcas, je vais te faire ceci. Et voilà, vieille peau même. Avec une voix même qui fait mal aux oreilles. Je vais te clasher. Tout votre petite bande de racoleuses là. Ok? Moi, je ne gère pas les racoleuses. Moi, je cherche que les têtes. Les têtes là, c'est eux que je cherche. Les racoleuses d'à côté à côté là qui cherchent la visibilité là. Je ne gère pas. Ok? Une personne qui est dans le noir, tu ne peux pas un peu partir. Avec une voix même qui fait mal. Une bande de ratés même. Personne pour attraper l'autre. Personne. Personne. Moi, je ne cherche pas les fouma-fouma. Les manger mille à côté là. Non. Je suis déjà quand même une blogueuse à une dimension que non, je ne peux pas venir parler avec les Lisette Akoudou. Non, je cherche. D'abord, vous connaissez mon principe sur Facebook. Moi, je ne gère pas les faux profils. Je vais discuter quoi avec les faux profils. Je cherche que la tête. Donc, jusqu'à preuve de compte, j'estime que Compresso ne m'a pas attaqué. Mais j'ai décrypté son live, ça lui... J'ai décrypté l'actualité de ce qui se passe avec. Et ça l'a fait mal. C'est normal que ça la fasse mal. C'est normal. C'est normal. Elle n'est pas faite en bois, quand même. Et elle a le sang dans ses veines. C'est normal qu'elle ait mal. Quand on lui dit la vérité. Elle n'a pas mal parce qu'on lui a insulté, non. Elle a mal parce que la vérité a été dite à Mondo Vision. La vérité. La vérité, c'est que c'est pas bien. Elle arrache le mari de sa copine. On ne fait pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a raison de lui faire mal parce que c'est une vérité quand même qui fait mal. Non, les hommes, hein. Les hommes sont terribles. Tu prends une de tes bordelles, tu amènes à la maison, une de tes copines, tu amènes, tu mens à ta femme que c'est ta soeur. Pourquoi les hommes font ça même, Lopé? Tu as fait ça. Hein, papa? Mais tu sais, les hommes font ça. Jusqu'à la femme est derrière. La femme là est derrière comme ça. Oh, ma belle, c'est ma belle. C'est qu'elle a même les preuves de son mari. Elle passe confier à celle-là croyant que c'est sa belle. Alors, plusieurs va déficier ça. C'est ça. C'est ça. Voici ça maintenant qu'il y a un cas. Il y a un cas que un gars a présenté. Ça, une blogueuse camerounaise à sa femme à la maison que voici ma soeur. La femme de la maison a accueilli celle-là jusqu'à la mettre dans leur maison. Que c'était la belle soeur. Après, alors que c'était les deux. Avant d'ouvrir les yeux, le gars est parti avec celle que. Et disait que c'est la belle soeur. Et la femme s'est retrouvée dehors. Est-ce qu'elle a bien fait? Celle qui était. La femme, elle vient aussi là, elle a bien fait. C'est ça qui dit que même la femme n'a pas bien fait, non? Qui est plus fautif? Selon vous, qui est plus fautif? C'est l'homme ou c'est celle qui s'est fait passer pour la belle-sœur? L'homme n'a pas aimé cette femme. Il n'a pas aimé la femme, hein? Même la femme aussi peut être fautive. La femme qui est partie avec l'homme, non? Oui, elle peut être fautive. Yeah. Oui, parce que c'est... Elle connaissait que l'homme est marié. Elle connaissait, mais elle est venue entrer. Parce qu'elle n'aime pas la femme là. Elle veut entrer. Elle n'aime pas la femme. Elle pouvait. Elle dit à l'homme que non. Oui. On peut faire tout dehors, mais pas jusqu'à maintenant, ils sont ensemble. Non. Ils veulent même déjà se marier.
Voilà. C'est méchant, non? Voilà. Voilà ouais, les hommes qui sont en train de dire que c'est très méchant. L'homme peut avoir même 5 femmes. Oui. On peut avoir 22 femmes. 22 femmes. 22 femmes. Oui. Hein? Mais la femme, toi, tu... Avant que d'autres... Ton père avait 22 femmes. 22 femmes, oui. Il faisait comment avec toutes les femmes? Il les faisait ça en un mois. Je ne sais pas. Yeah. Je ne sais pas, moi, vous avez combien d'enfants? Nous, on est presque 300. Hey! Wonderful. Ton père était fort, hein? Il prenait que les remèdes pour être viril comme ça. Je ne sais pas. Merde. C'est que dans mon acte, c'est écrit. Je m'ose à faire Michel, c'est le nom de mon père. C'était notable. Il n'est pas notable. Il était chef. Il n'était pas chef. Marabout. Pas marabout. Un homme comme ça, simple. Un homme comme ça, 22 femmes. Il avait les champs. Hein? Il avait... C'est un planteur, c'était un planteur. Il avait besoin d'un main de ville à marier beaucoup de femmes pour avoir des enfants. C'est ça alors. Les papas Bamleka avant ont beaucoup fait ça, même mon grand-père. C'est la main d'œuvre qu'il cherchait. Et donc il a laissé les grandes plantations. Deux femmes par mois. Donc ça veut dire que si tu étais marié avec lui, pourquoi tu te vois avec ton mari, ça après 5 ans? S'il faisait deux femmes par mois, vous êtes 22. Quand il veut se marier, il prend deux femmes. Il dit en un mois, il peut prendre deux femmes. Il peut se marier avec deux femmes. Il ne pas deux. Toi, tu as combien de femmes? Moi, j'ai deux femmes. Non, tu n'as pas encore commencé. Hein? Parce non, que si. Les deux femmes, ça va. Ça va, non. Tu dois quand même rattraper le pâté, quand même. J'ai deux femmes avec 11 ans. Tu sais, nos parents. 11! Avec la vie d'aujourd'hui, là. Oui. La nourriture qui est chère, là, tu fais comment, papa? C'est des femmes au Cameroun. Ils sont ici à Douala. Non, une femme est ici à Douala. L'autre au village. La deuxième femme est au village. C'est celle de Douala qui te sucre bien. Et me sucre comment? Je suis venu. Mais j'ai compris les histoires des Camerounais. Vous avez compris les Camerounais, non? Je suis au village, je suis à l'ouest. Quand je viens ici, je passe. Donc, je peux venir faire 2 semaines ou 1 mois. Ah, tu es à l'ouest. Hein? Donc, quand tu viens, tu donnes un peu ici. Si tu pars au village, tu donnes un peu. Donc, chacune est quand même équilibrée. Tu veux pas, village, tu ne veux pas dormir seul nulle part. L'autre du village cultive, elle envoie l'enduit à sa coépouse. Non, moi, c'est comme ça que les mamans faisaient avant. Hein? Mais celle-ci a arraché le mari comme ça, quand elle entend que le mari est rentré chez l'autre femme là. Hey! Elle veut se tuer seulement. Mais il pouvait bien partager, non? Elle n'accepte pas. Elle veut que, elle garde que ça part, elle seule. Celle qui a arraché le mari. Hein. Elle ne veut pas que le mari rentre chez l'autre femme. Parce qu'il rentre tout il là-bas de temps en temps. Non. Il rentre tout là-bas quand même de temps en temps. Quand elle entend qu'il est parti là-bas, là où il était, elle veut se tuer seulement. C'est moi l'homme, j'abandonne la deuxième femme là, celle que m'a suivi là. Son mari là. Ça veut dire que la femme là, c'est. Et regarde, la deuxième femme que tu entends qu'il est en train de prendre, la nouvelle femme là, c'était la femme de son meilleur ami, de son ami. Donc c'était un couple. La deuxième femme là avait son mari. Lui, il avait sa femme. Le mari l'a amené chez le monsieur là, dit que voilà ma femme. Tu vois, non? Et lui aussi, donc c'était un couple ami. Il a aussi pris la femme, allait présenter à sa femme que voilà ma soeur. Tu comprends? Donc il a fait comment? Il a récupéré la femme de son ami. Ils sont où comme ça? Donc il a détourné comme ça la femme. Oui! Et ils sont où? Ils sont en France là-bas. Je te dis. Donc, elle ne veut pas qu'on dise qu'elle a mal fait. Elle veut qu'on dise que non, elle a bien fait. Elle a bien fait. Oui, c'est ça qu'elle veut entendre. Donc, quand tu dis qu'elle a que ce n'est pas bien, tu as mal fait. Tu peux même sortir un homme marié, mais tu le laisses chez lui avec sa femme. Vous, les hommes mariés, vous faites ça dehors, mais tu ne détruis pas ça, la relation d'une autre femme comme ça. Donc c'est ça, alors qu'elle ne veut pas qu'on dise que... Elle va alors faire quoi? Elle va porter plainte. Hein? Elles sont portées plaintes chez le blanc. Elle a pris, non? Portée plainte. Elle va porter
Est-ce qu'on oblige quelqu'un? Quelqu'un ne veut plus la relation, ne veut pas, on peut forcer quelqu'un à être avec une femme. C'est sûr au Cameroun que le divorce prend là-bas 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là-bas, tu dis que je ne veux plus. 6 mois après, on vous divorce, oui. Parce que le temps qu'on voulait dans la même maison, un peut tuer l'autre. Non, vous avez le problème là-bas. Nous, on ne connaît pas tout ça. Nous, on vit bien ici au Cameroun. Je te dis que... Je pense que la femme là, c'est quoi? Les choses qui se passent là-bas, et Dieu se connaît. Comment tu vas prendre ta femme? Tu peux présenter à ton ami, comme le père vient avec sa femme, il vient te présenter que voici ma femme. Oui. Tu prends aussi ta femme, la femme du père, tu présentes à ta femme que voici ma grande soeur. Tu as compris? Oui. Par derrière, quand le père se déplace, tu écrases sa femme. Oui. Tu écrases jusqu'à un jour, le père vient te trouver avec sa femme sur le lit. Bagarre générale, le père tape sa femme jusqu'à elle appelle la police, elle envoie le père en prison. Tu restes toi te marier avec elle. Donc vous appelez la police sur le père, non? La police, parce que là-bas c'est interdit de taper sur la femme. On vient, on arrête le père, on envoie le père en prison. Toi tu restes par derrière maintenant, récupérer la femme jusqu'à aujourd'hui. C'est très dangereux, c'est le malchance. Ce n'est pas bien, non? Ce n'est pas bien, c'est la malchance. La malchance. On ne fait pas ça. C'est très méchant, c'est très mauvais. C'est ça alors que quand on vient dire que... C'est ça alors que quand on vient dire que... Le gars qui est sorti en prison, il finit devant lui. Non, même s'il ne finit pas avec lui, l'autre là, devant lui... Le gars était sorti, il était sorti. Et quand il a tenté de mettre le nez comme ça, la femme là se m'a allumé les insultes comme ça. Le gars elle avait la main, il a lui laissé les parties. Oui. Après maintenant, le nouveau mari ici, qui avait elle que non, ils sont ensemble et tout, un colorique, quelqu'un qui a la colère, il a mis le feu à repasser, il a branché le feu à repasser, il a repassé avec comment on repasse les habits. La deuxième femme, c'est, j'ai les photos, si je vous montre, vous allez rire jusqu'à. Donc mettre sur son corps que choix enlevé. Il a encore mis, au moins sur 4 endroits sur elle. Oui. Ce n'est pas la comédie. Hey, les gens disent que c'est la comédie. Oh. Ce n'est pas la comédie. Ils demandent si c'est la comédie. Ce n'est pas la comédie. C'est les faits réels. Donc, comme elle a abandonné son mari, elle a envoyé le père en prison là. Tu as récupéré, non? Maintenant, le jour que vous avez les problèmes, est-ce qu'en venant tomber derrière toi, elle savait que toi, quand tu te fâches, c'est le coup de poing? Hein? Maintenant, tu l'as tabassé jusqu'à tu as branché le fer. Repasser son quoi avec. Je peux te montrer les vidéos là où on l'avait repassé. Il que repasser comme les habits. Elle va encore beaucoup répéter. Hein? Elle regarde maintenant, mais la honte pour quitter là-bas. La honte pour quitter là-bas. Mmh. Bonsoir, maman. Viens alors, maman. Là-bas, en Belgique, ces gens-là fument que le pire. J'ai dit que je connais. Je connais. Ils sont quittant d'ici, ils sont passés par quel moyen pour arriver même en France. J'ai dit que. C'est les bonnes. Ha! Si ce n'est pas le départ, c'est quoi? Tu crois que quelqu'un. C'est le départ, quelqu'un qui est normal. Ce ne sont pas les gens qui sont quittés jusqu'à prendre l'avion. Moi-même, je pense que c'est le départ. C'est le départ. Ça, c'est le départ. Ce n'est pas simple. Ce sont les grands fumeurs là-bas. Ouais, ouais, ouais. Tu vas me faire le dépôt. Ce ne sont pas les vrais gens. Hein, va là-bas derrière le comptoir, il y a le bic et un cahier. Tu viens avec, je te donne mon numéro. Je vais faire le dépôt. Et ils travaillent même quoi là-bas en France? Va aller travailler, non? Repasser les femmes comme les habits. Ils te tapent pas le fer à repasser, ils te repassent avec. Donc c'est ça alors que maintenant que ça a cuit sur elle, elle ne veut pas qu'on dise que non, tu avais mal fait, voilà le prix du mal, voilà les retombées du mal. Parce que tu ne peux pas venir, tu trouves une femme avec son mari, elle te prend que, comme sa belle-sœur. Et que même elle est même la femme de Bordeaux. Oui. Si les gens là viennent ici au Cameroun, ils peuvent les éviter. On doit les éviter au Cameroun, non? Les gens comme ça, vous avez compris, non? On doit éviter les gens comme ça. Quand ils viennent au Cameroun, on doit les éviter. Parce que vraiment... Hey, maintenant alors, c'est ça que moi je dis maintenant aux jeunes femmes
qui vient de se marier, que un homme vient te présenter que voici sa belle-sœur. Si ce n'est pas que c'est sa sœur, même père, même mère, jamais il n'accepte pas parce que le doigt est mauvais, on ne sait plus qui est qui. Les hommes sont devenus très bandits de nos jours. On ne sait plus qui est qui. Si ce n'est pas son frère, même sa soeur, même ventre que tu connais sa mère a dit que oui, c'est moi qui l'ai accouché. N'acceptez plus, oh. Voilà les cas. Que belle-sœur, regardez, Tatiana est dehors. Donc c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle. On va seulement que parler. Hein? La vie est comme ça. Vraiment. Tu as dit que papa, moi-même c'était ma première fois d'entendre ça. On a repassé comme les habits. Il dit quoi le faire repasser qu'on a bien chauffé, non? Quand le gars mettait choua, ça enlevait la peau. Il met choua, ça enlève la peau. Il vient ici, il met choua, ça lève. Et puis il est venu pleurer. Regardez ce qu'il m'a fait. Regardez ce que. Les gens ont dit que tu vas aller chez choua. Oui. Maman, arracher le mari est facile. On te arrache au mari, on te repasse, tu supportes, non? Tu peux voir que peut-être même. Hein? Peut-être même que l'homme voulait l'exploiter. Il a dit que. Ah, maman. Elle va, elle a trouvé que peut-être. Elle a cherché la clé. Et comme tu trouves, il faut supporter. C'est ça. Maintenant, quitter l'homme aussi, c'est facile. Peut-être le gars va seulement enlever un de ses yeux, lui donner avant de partir. Et c'est souvent comme ça, quand tu entres dans un ménage de cette façon-là, comme ça, là, les retombées de ça. Parce que quand l'autre femme qui était dedans sort, elle est en train de pleurer. Dieu voit ses larmes. Dieu voit ses larmes, surtout qu'elle ne t'a rien fait. Tu es venu, tu as dit que tu étais sa belle-sœur. Elle t'a même pris maître dans sa maison. Donc, ça veut dire que quand elle partait au marché, elle restait écrasée avec le gars sur son propre lit. Non, les hommes, hein. Non. Wonderful, c'est quoi comme ça? On vous a seulement prescrit ça ou quoi? Hey! Mais quand elle voit tes yeux là, c'est comme si toi-même tu peux faire le. Tu le jas là. Tes yeux là brillent trop. Tous les hommes qui ont deux femmes là peuvent faire ce genre de choses. Parce que si tu as eu deux femmes, tu peux avoir trois, tu peux avoir quatre. Et pour avoir tes quatre là, non, tu es prêt à tout. C'est ça. C'est ça qu'elle dit, non? Donc toi-même, tes yeux brillent trop. Le gars là s'appelle Thierry. Quel est ton prénom? Peut-être c'est Thierry. Hein? Pascal. Eh non, même les Pascal là, les noms là sont les noms des dangereux. Les gars Pascal là, ils sont dangereux des. Et tu es même Tani. Hein? Oui. C'est pourquoi elle est obligée de supporter le repassage au premier mari de la femme saison. Voilà. Quand je dis aux femmes que soyez les femmes indépendantes, allez travailler. Ok, faites des petits métiers. Faites des petits métiers pour ne pas vous asseoir et dépendre totalement de vos maris. Après, on vous repasse dans les maisons. Vous ne pouvez pas partir parce que tu vas partir comment? Tu vas manger quoi? Tu es là, si le mari n'a pas 1000 francs, tu ne peux pas manger. Tu es obligé de t'asseoir et supporter. Donc maintenant, quelqu'un est avec Oshishu avec son ventre. Il faut qu'avec le ventre d'Oshida. Est-ce qu'on tire sur l'ambulance? On attend d'abord bébé TikTok naître, non? C'est quand bébé TikTok va naître qu'on va parler. Pour le moment, non? Voilà notre réponse. Besoin de Facebook. Ah bon? Ok, il fait y aller là. C'est bien, non? Il n'a qu'à venir soutenir ses frères, ses soeurs. Oui, Madoka, tu as fini avec. Tu ne dis que la vérité. Il ne fait que provoquer comme professeur depuis là. Pourquoi vous aimez la vie comme ça? Pour ma belle femme. Non, maman, toi, mais tu vois pas le travail qu'elle était quand vous sont en train de faire. Eh, hey, pardon. Les TKO, je rembourse combien? Hey, tu vois la monnaie, le père. Tu vois la monnaie, le père. Je ne sais pas. Ouais. Combien? Hein?
Regardez tes 50. Ah, ça me. Même si tu as tes 50, ça fait quoi? Eh, le père, tu es quand même un entrepreneur, tu es un porteur. Oui. Ok, merci à vous. Hein. Ok. Dans le clash, elle en sauve justement. Oh, nous, on vous regarde. Non, 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 moi je fais pas le clash, pardonnez. Je fais pas le clash, moi. Je fais pas le clash, ok? On dit la vérité. Et chaque fois qu'ils vont faire le post sur moi, je vais tout sortir, venir leur dire que leur patronat n'a pas raison. Voilà ça qu'il y avait les hommes. J'ai expliqué aux hommes. Les hommes ont dit que c'est la sorcellerie. C'est très méchant. Il n'y a personne qui peut comprendre ça et accepter. Personne. Il n'y a personne. Vous parlez du dossier de Papa Fondia. Est-ce que c'est la même chose? Papa Fondia vivait avec Lolo. Hein? Il vivait avec Lolo. Il a fait 13 ans avec Lolo. Et quand Lolo l'a connu, il n'était plus avec la mère de son enfant. Ça, c'est une femme avec qui il a connu quand il était encore au Cameroun, à Douala. Il a fait un enfant. Chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route. Et c'est quand Lolo a connu Papa Fondia, il était encore avec la mère de son enfant. Qu'on va dire que non, ils étaient dans la même maison et Lolo a arraché. Non, c'est pas le même contexte. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Soyons sincères et soyons vrais. Hein? Ici, là, le cas compresseur, c'est que quoi? Compresseur est avec Achille Dikalo. Achille Dikalo qui est le maître d'attaque de Thierry. Achille Dikalo présente compresseur à Thierry. Thierry présente compresseur à Tatiana, que voilà ma soeur. Compresseur récupère Thierry. Achille Dikalo vient les tamponner au lit. La bagarre commence. Compresseur appelle la police sur Achille Dikalo. On arrête Achille Dikalo. On envoie Achille Dikalo au Nganda. Compresseur reste s'installer avec Thierry. Le dossier Lolo Fondia et Papa Fondia. Lolo connaît Papa Fondia. Papa Fondia n'est pas avec sa nouvelle femme qu'il a avec elle maintenant. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. À moins que je me trompe, hein. À moins que je me trompe qu'ils étaient ensemble et que Lolo a arraché à celle-ci. Mais à ce que je sache, celle-ci c'est une femme avec qui il a fait l'enfant quand elle était encore jeune. Depuis à quoi? Il a voyagé, la fille a voyagé. Ils n'étaient pas ensemble. Mais ils avaient un enfant qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Hein? Ils n'étaient pas ensemble, mais ils ont fait un enfant dans leur jeunesse ensemble. Quand Lolo a connu Papa Fondia, je ne crois pas qu'il était avec Compresseur. Il était avec la fille là, je ne sais pas comment on l'appelle, Marie de Yor. Je ne crois pas qu'il était avec Marie de Yor quand Lolo a connu Papa Fondia. Durant les 13 ans de relation de Lolo et Papa Fondia, il n'y a jamais eu une guerre que Lolo est en compétition avec une autre femme, à ce que je sache. On vient mettre la bouche dans le problème Compresseur parce qu'il y a une femme qui est en train de se plaindre que Compresseur a arraché son mari. Bon, depuis que Papa Fondia est parti, est-ce que Lolo est venu se plaindre qu'on a arraché son mari, que ça fait débat ou ça fait polémique sur Facebook? Est-ce que Lolo et la femme qui est dans la maison sont en guerre? Ils s'insultent sur Facebook? Non. Oui, vous dites que Lolo a trompé Papa Fondia. Est-ce qu'elle-même ne dit pas qu'elle a trompé? Elle-même dit ça tous les jours. Que Fondia a souffert dans ses mains. Elle dit ça elle-même dans ses lives. Elle dit qu'elle bindaya avec qui elle veut, comme elle veut. Elle dit ça tout le temps dans ses lives. Elle dit qu'elle abandonnait par terre chez l'attaché. Est-ce qu'elle se cache pour dire? Elle dit ça. Mais on n'est pas en train de faire un procès à Compresseur pour infidélité. Non.
On n'est pas en train de faire un procès à Tatiana pour infidélité, non. Pourquoi on va faire un procès à Lolo pour infidélité? C'est son choix de vie. Si quelqu'un vient donner son zouta, qui veut. Mais là, maintenant, il y a une femme qui est en train de se plaindre que Compresso a arraché son gars. Elle est dans tous les panels. Que Compresso a arraché son gars, elle n'arrive pas à digérer. C'est pourquoi on parle de ça. Quand un dossier vient sur la toile, on va que parler. Le jour que ma part, vous croyez que mon monsieur à l'abri, que ma part ne va pas sortir juste sur Facebook? Non. Quand tu es à blogueuse, que tu es populaire sur Facebook, les gens te font les gens te blâment. Les gens te font le chantage que oh, si tu ne fais pas ceci, venir sur Facebook. Tu ne fais pas ceci, venir sur Facebook. Et vous croyez qu'on va se plier au chantage tout le temps? Un moment, on va dire non, viens sur Facebook. Viens sur Facebook, version que tu sens. C'est tout. C'est tout. Alors. Si le, ma passe sur Facebook, j'ai fort comme vous allez charger ça sur vos têtes. Est-ce que je ne connais pas? Vous allez charger. Si j'ai un dème, j'ai un dème. Et je vais m'asseoir bouffer mon djangui propre. Qui a encore peur d'un djangui? Moi, je n'ai pas encore avoir peur d'un djangui sur Facebook. Moi, Dorcas. Si toi, le djangui, c'est que je fuyais Facebook depuis. C'est ça. C'est ça. Donc moi, je ne vois pas à quel niveau vous voulez qu'on fasse une comparaison. Vous voulez qu'on commence à décrire maintenant l'onzu que Lolo, l'onzu de Lolo, que non, elle a sorti tel homme, elle n'a pas sorti tel. Est-ce qu'elle-même, elle se cache? Elle dit qu'elle donne sa Kiev, non? Elle-même, elle ne se cache pas. On va encore venir décrypter quelque chose qu'elle-même dit il y a tous les jours que c'est ce qu'elle fait. Hein? Elle vous dit que c'est ce qu'elle fait. Qu'elle était avec lui, voilà comment je vivais, voilà comment je faisais. Même quand lui-même était encore à la maison, elle disait ça. Elle disait ça. Elle dit que c'est elle qui lui a demandé de partir, c'est elle qui a versé ces choses dehors. Elle menace même qu'un jour elle va mettre la vidéo là où elle a versé ces choses dehors pour qu'il parte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la traîne sur les réseaux sociaux qu'elle a arraché son mari? À ce que je sache, je n'ai jamais vu quelqu'un la traîner qu'elle a arraché son mari. Sinon, venez dire. Sinon, venez dire la personne qui un jour traînait Lolo sur Facebook qu'elle a arraché son mari. À ce que je sache, personne. Hein? Parce qu'il faut arrêter de vouloir raconter les choses qui n'ont même pas de sens. Là. Il faut arrêter. De quoi? On vous attend sur tel sujet, vous cherchez un autre truc que vous allez accrocher sur le cou de quelqu'un. On vous attend sur tel sujet, vous voulez accrocher. Le problème, c'est qu'il y a eu problème d'arrachement de mari. Mardo, les deux cas ne sont pas ressemblés. Même pas, voilà. Ça ne se ressemble pas. Donc arrêtez d'associer le cas. Oh, tu parlais seulement de pour compresser. Voilà aussi Lolo qui a fait même chose. Lolo a fait quelle même chose? Lolo a fait quelle même chose? Une personne vous dit elle-même que il a souffert dans mes mains, que durant les 7 dernières années, elle n'était plus amoureuse de lui, donc elle faisait ce qu'elle voulait, et il souffrait seulement, c'était mieux qu'il parle. Elle-même, elle vous dit ça, Lolo, elle-même vous dit. Elle vous dit ça tous les jours. Est-ce qu'il y a eu un problème que, hey, Lolo, le débat ici, c'est que en arrachant, même si vous voulez sortir le mari des gens, raser les murs. Raser les murs. Même celle qui est dans la maison maintenant, on ne peut pas la faire le procès qu'elle a arraché le mari de Lolo, non. Même celle qui avait Stéphane Fondja maintenant, on ne peut pas lui faire le procès qu'elle a arraché le mari de Lolo, non. C'est Lolo elle-même qui l'a chassé. Elle-même a dit ça, qu'elle n'en voulait plus et elle a chassé. Elle a chassé, elle est partie voir ailleurs chez la mère de son enfant. Ok, que je dois parler de mes enfants. Je vous dis quoi de mes enfants? Vous voulez que je vous dise quoi de mes enfants?
Vous voulez que moi, je vous dise quoi de mes enfants? Que mes enfants ont fait quoi? Que parle de ton mariage. Pardon, venez prendre votre frère. Vous l'aimez, là, vous me fatiguez. Venez prendre votre frère ou partez avec lui. Hé, je vais chercher mon frère Bamleke. Pardon, venez prendre votre frère ou partez avec lui. Je suis fatigué. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, oh notre frère. 1, 2, 3, 4, eh notre frère. Eh l'on pas. Oh notre frère, mon père. Pardon, venez le prendre ou partez avec lui. Hé, hey. Et mes frères Bamleke là qui sont prêts jusqu'à. Ils sont prêts, bien prêts financièrement, mais ils sont prêts. Ils sont prêts pour me mettre en haut. Je suis fatigué avec votre frère, dis donc. C'est quoi? Il y a une personne qui me demande que tu ne seras pas à la soirée du 2 novembre. Je ne fête rien le 2 novembre. Ok? Mon fils est mort le 1er novembre. Donc le 2 novembre, le mois de novembre, c'est un mois noir pour moi. Je ne fête rien. Même, je dis que rien dans ma vie personnelle, je ne fête rien en novembre. Mon fils est mort le 1er. Donc chaque 1er du mois de novembre, c'est une date sombre pour moi. Ok? Bon, t'es clair, je te bloque, hein. Je te bloque. Va chier, va voir ailleurs. Ouais, je ne vois même pas les commentaires ici, là où je peux te bloquer même. Je vois les commentaires seulement sur l'autre téléphone. Je ne sais pas pourquoi Facebook fait ça maintenant. Je ne vois même pas le nombre de gens connectés. Mais il y a combien de personnes connectées? Je ne vois même pas. Tu as eu ta chance, t'es clair, je vais te bloquer. Reste chez vous, tu ne comprends pas avec quoi. Tu ne comprends pas quoi. Hein? D'où que tu sois. Merci Marie Lumière. Une kion congolaise, fior fior fior. Tu l'aimes trop. Bande de ce que j'ai. Merci Nina. Il nique ta race. Tu as compris non? Je nique ta race. Merci oh. Parce que je ne voyais même pas. Il nique ta race. Dites même que quoi là? Vous croyez que les gens vont s'asseoir là comme ça là? Hein? On va voir la vérité, on ne vient pas dire. Voilà ça que tout le monde a dit que le cas Lolo et Compression, ce n'est pas les mêmes choses. Même Compression, c'est que ce n'est pas la même chose. Lolo a trompé Fondjao, c'est son zout. C'est son zout, non, elle trompe qu'avec son zout. Elle trompe quand l'on voit qu'il est tellement coquifié, qu'il est fatigué. Il part, non, il prend sa route. Il prend sa route. Il y a les femmes qui aiment vivre que comme ça. Elle-même, elle vous dit ça dans ses lives tous les jours. Elle se cache. Elle sait quelque chose que vous avez découvert, comme on a découvert pour Compression qu'elle a arraché au mari de Tatiana. Non. Je supporte Diamant Bleu hier. Donc, le travail que ces lieutenants sont en train de faire sur moi, là, c'est le lait qui me donne. Vous aimez vous plaindre, hein, vous les gens de Facebook, là. Toujours en train de vous plaindre. 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 Vous aimez faire le sale sur les autres. Vous toujours êtes comme ça, toutes les teams de Facebook, toutes les teams. Que ce soit les Lolomania, que ce soit les abeilles, que ce soit les Tekaso, toutes les teams. Quand ça ne vous convient pas, chacun prend position. C'est métanon. Donc, les têtes cassées. Arrêtez de me charger sur vos têtes. Ok? Arrêtez de me charger sur vos têtes. Aujourd'hui, c'est les têtes cassées qui me chargent. Demain, peut-être, c'est les abeilles qui vont me charger. Après, demain, c'est l'holomania qui vont me charger. Donc, c'est comme ça, Meta. Dès que tu prends un sujet qui va à l'encontre de la patronne d'une team, c'est lieutenant sorte. Hmm? C'est lieutenant sorte nous écraser comme on écrase les arachides. Ok?
Mais moi, j'attends la sortie de mon ancien général, qui est maintenant son général, qu'elle fasse un live seulement pour prononcer mon nom. C'est tout. Et à la santé de maman Pépé. Mais tapez d'eau. Tout le monde qui a tapé son dos, lève les bras. Lève les mains. Lève les mains. Oh, maman de l'eau. Maman de l'eau. Aïe, maman, doux pas à ton âme. Tout le monde qui a tapé son dos, lève les bras. Lève les bras. Lève les bras. Oh, maman de l'eau. Les lolos de ça. Maman, aïe 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 aïe, attendez, rentre aux États-Unis. Vous allez me sentir sur mes cas. Tous ceux qui sont broussailles, vous allez me sentir. Maman, moi, j'attends seulement une personne qui fait le live. Qu'elle fait le live, elle prononce mon nom parce qu'elle a tendance à acheter les problèmes des gens. Tous les TK, c'est là, les fronfrons là qui font les lives, je les gère pas. Je ne les gère pas. J'attends seulement le live de une. Qu'elle dit qu'elle achète les problèmes, que quand on prononce le nom de maman Pépé, elle achète les problèmes. J'attends qu'elle prononce mon nom. Je rentre aux États-Unis. On va se. On va se faire. Maman, tout le monde qui a trompé son gars, lève les doigts. Lève les doigts. Lève les doigts. Oh, oh. Tata Lolo, elle lève le doigt. Tout le monde qui a trompé son gars, lève les doigts. Lève les doigts. Lève les doigts. Oh, oh, maman, dégle. Viens, maman, dégle. Tout le monde qui a arraché le mari de Tatiana, lève les mains. Les têtes cassées. Lève les mains. Lève les mains. Oh, oh. Maman, pardonnez. Tout le monde qui a arraché le mari de Tatiana, lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Oh, oh. Maman, dégle. Yeah, maman, dégle. Maman, dégle. Yeah, maman, dégle. Tout le monde qui a trompé son gars, lève les bras. Lolo, lève. Elle lève. Hoha. Elle accepte que oui, j'ai trompé. Hoha. Elle, ça ne chauffe pas. Elle lève, lève les doigts, lève les doigts, oh oh, maman, lève, yeah, maman, lève, tout le monde qui arrache le mari, lève le moi, maman Pépé, lève les mains, il n'y a rien de honte dans ça, lève les doigts, lève les bras, oh oh, non. Et quand ça s'est arrêté ça, j'ai dit qu'elle sort dans les clans, vous voulez tout m'amener dans la boue, pourquoi? Vous avez fait quoi? Et quand ça s'est vous avez fait quoi même? Hein? Et vous avez fait quoi quand elle dit que je veux sortir? Vous me ramenez dans quoi même comme ça? Regardez une grosse femme comme moi, vous me ramenez, c'est quoi? C'est quoi non, les TKC, c'est quoi? C'est quoi? Ayez pitié de moi, pardonnez. Et regardez comment elle sortit, carrément elle brille. Vous voulez me ramener dedans pour que je ressemble à quoi mes jambes? Je dis, il y a comme vous, on disait que j'ai 65 ans, alors que je suis une petite fille. Hein? Alors que je suis un bébé, regardez ma peau de bébé là. Alors que je suis un bébé, vous avez pris 65 ans mettre sur moi. Tellement j'ai clashé sur Facebook, j'ai eu les rides partout sur mon visage. Hein? Il y a les photos que vous mettez que moi-même, quand je regarde, je dis que c'est la sorcellerie, c'était quoi? C'est comme ça, Facebook. Ça te donne un masque que toi-même, tu ne te rends pas compte. Il y a les photos de Flo que quand on met, je dis que, hey, ça c'est quoi ça? Il y a les photos de Lolo que quand on met, c'est comme ça. Facebook te donne un masque de monstre. Un masque que toi-même, tu ne connais pas. Que quand quelqu'un te voit dans la vie réelle, ça n'a rien à voir. Le président Eboabala m'a vu dans la vie réelle la reine galloise. Il a dit que Dorcas, c'est toi ici. Dans la vraie vie, tu es même plus que ce qu'on voit sur Facebook. Hein? Tu es plus que ce qu'on voit sur Facebook. Dans la vie réelle, je suis une femme debout. Hein? 1m78. Hein? Bien.
avant de m'attaquer, il faut que tu manges, tu te rassasies. Tu dis, il faut que tu manges, tu te rassasies. Hein? Vous me prenez comme ça, là, vous me mettez dans la boue, vous me donnez les bizarres noms. Les bama pa, les bama le fombo, les bama famla, les ba quoi, 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 quoi. Mais attendez là, mais arrêtez ça. C'est quoi? C'est quoi? Putain, c'est quoi? Et quand même, respectez quand même ma carrure là. C'est quoi? Hmm? On va faire comment avec vous? Vous voulez qu'on parle de Facebook ou quoi? Non, moi, je ne vais pas mettre à TikTok. Ça, c'est trop. Mieux, je ne vais pas retrouver une ketchup à TikTok. On commence à faire nos lives. On vous laisse avec Facebook. Hush! Hush! Regardez par exemple, il y a une photo de Oshiga comme mes soirs. Quand on voit la photo là, c'est comme si une mère de 80 ans. Alors que Oshiga c'est une petite fille. Donc Facebook là, ça a un côté démon là, que quand ça va te mettre le masque que le diable a mis dans Facebook là, ça te met ça en vrai. Ça te met ça en vrai que quand toi-même tu regardes comme ça, tu dis que c'est toi, tu dis non. Regardez-moi. J'ai l'air d'une vieille femme. Regardez-moi. Mmh. La large bouche de Niat Barano là. Niat, j'ai l'air d'une vieille femme, Niat. Niat, nous en chouons, Niat. Le touche de Niat là. Niat, c'est le moment de l'activisme maintenant. Tu es où? Tu es là en train de fouiller les jupons des femmes sur Facebook. Tu es là en train de fouiller. Un dollar million, on devait sauf que partir sur TikTok, maman. Non, maman. Mako, il n'y a pas moi que sur TikTok. Mm-mm. Facebook là. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, il n'y a pas moi que sur TikTok. Pardonnez. Mm-mm. Et moi, allez voir Nikon Ketcha. Nous, on va faire notre live à TikTok. Facebook là, non. Va aller voir ma petite soeur Nikon Ketcha. Nous, on va commencer. C'est ma fille. On va commencer à faire nos lives. Je vais rentrer au village avec elle. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, c'est ça, ce qui est sûr, c'est ma fille, elle veut faire comment? On ne jette, il n'y a personne qu'on va jeter sur Facebook. Tout le monde a dit que réconciliation, il n'y a personne qui a tué l'autre sur Facebook. Parce que s'il y avait des gens qui avaient tué, c'est que Flo ne s'est pas réconcilié avec l'autre, c'est que Flo ne s'est pas réconcilié avec Petit Plaisir à moi. Donc, la paix est bien pour tout le monde, c'est tout. Mais le Cameroun est super. J'ai réfléchi qu'elle veut rentrer moi aux États-Unis là. Je dis que je vais rentrer, même faire quoi là-bas? Je m'ennuie. Mais je risque de durer. Hein. Je risque de durer. Parce que ma première fille a atteint l'université qu'elle a pris, elle a pris des cours accélérés. Et si je ne suis pas là, le tout ce n'est pas de graduer, mais c'est graduer avec les bonnes notes. Ok? C'est graduer avec les bonnes notes. Si je ne suis pas là, il ne va pas s'en sortir. Il risque de rentrer. L'aider un peu. L'aider. Il faut que je rentre l'aider un peu. T'as envoyé, maman? Merci. Hein. Ouais. Ma fille, je n'ai même pas tant. Je regarde si j'ai même 5 ans, te donne. Tu vas manger et baigner à l'école demain. Ouais, maman. Comment elle est bien demain? Hein? Mm-hmm. Ok, ma. C'est ma fille, non? Mm-hmm. Mm-hmm. Même toi aussi, tu ne devrais pas te conserver fort. Oui, non? J'ai clashé avec Flo, mais oh, je suis en paix avec Flo. Je suis en paix. Nous ne sommes pas des amis de la vie réelle. Mais virtuellement, on n'a pas de problème. Quand on peut, on s'appelle. On bavarde. Mado, c'est comment? Ah, Flo, je suis là, c'est comment? Ça va? Vraiment, maman, je suis en train d'aller. C'est on cause de tout et de rien. On ne prononce pas les noms des gens. Ok? Elle me dit, Mado, je n'ai aucun problème avec toi. Flo, je n'ai aucun problème avec toi. C'est passé, maman. Nous sommes déjà les vieilles peaux de Facebook. On n'a pas besoin de s'insulter. Sur Facebook, ok?
je peux faire le décryptage sur Flore, juste peut-être parce que je veux que on éclaircisse un point. Mais dit qu'elle va encore venir pour clasher, je ne veux plus vraiment, je veux plus ça. Ça m'intéresse plus. Je l'ai fait à une certaine époque, ok, par rapport à quelque chose. C'était le, parce que je suis venu faire aide-moi à détester. Je suis venu faire le aide-moi à détester. Vraiment, je ne veux plus faire les choses comme ça, c'est bon. Je ne veux plus ça. Ah, vive l'air. David. Ndolé, je ne vois pas. Renvoie alors. Renvoie la demande. Mado, parce que ton anniversaire, c'est quand? On va célébrer. Maman, mon anniversaire est passé, non? C'était en août, non, maman? Je suis né le 28 août. Le verre. Dorcas ne prend pas. Ouais, Seigneur, vous aimez les problèmes. Ouais, Ndolé, je ne vois pas ta demande, Emma. Je ne vois pas ta demande. Aïe, Facebook fait un genre maintenant. Tu ne vois même pas le nombre de personnes commentées. Où les gens envoient les demandes, je ne vois même pas. Je ne vois même pas. Ndolé, sors, tu reviens, tu renvoies la demande un peu. Donc c'est ça, voilà. Il faut, c'est important même que Ndolé Miondo. Ndolé, ça, on va pas appeler même au téléphone, ma. Mado, ça fait longtemps, je n'ai pas vu quelqu'un boire la bière comme toi. Ah bon? À la santé de TKC, je vous yamo. Les TKC, on est ensemble. On est ensemble, les TKC, c'est bango bango nous. Vous et moi là. Moi et maman Pépé, c'est bango bango. Qu'elle doit boire dans le verre, pourquoi maman? C'est ma. Tu sais pas que la bière est plus sucrée même dans la bouteille que le verre. C'est quoi, vous? Hein? Je vous ai dit que c'est moi la femme de qui? Votre foiré frein, quoi, que j'ai ici au Cameroun là. Vous me fatiguez tous les jours. Je peux pas parler. Hein? Oh, l'enquête, mon dieu, en cercle. Votre foiré frère, là, il me donne quoi? Eh, pardon, venez pas vous partir avec lui. C'est même quoi? Un, deux, trois, caillots. Oh, un autre frère. C'est notre frère qui l'a binda. C'est notre. Pardon, venez le prendre, donc. Le planter les bambliquets, c'est même plus sucré. Venez le prendre. Fou quoi avec ça? Eh, arrêtez de fatiguer les gens. Maman, c'est comme ça que Perpétu buvait la harpe. C'est Perpétu qui m'a fait découvrir la harpe. Quand elle venait au Cameroun, maman, elle prenait les harpes glacées. Mais je suis venue au Cameroun et j'ai dit qu'elle veut boire la harpe. C'est elle qui a fait la pesée de la harpe jusqu'à. Mais j'ai bu la harpe là, je n'ai pas senti le goût de la harpe. J'ai bu la harpe peut-être une fois, deux fois là. Après, je suis moi sorti dedans. C'est Perpétu qui m'a fait boire la harpe. Pardon, oh! Je bois dans le verre pour être plus classe. Maman, je ne suis pas la femme de Joe Biden. Ce n'est pas moi la femme de Joe Biden. Je suis une débrouillarde camerounaise. Je ne vends pas le rêve sur Facebook. Ok? On a vu les vendeuses de rêves sur Facebook. On a vu. Elle dit que mon numéro ne passe pas. Maman, mon numéro passe, non, maman. Attends, allez. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi. Les commentaires n'apparaissent même pas ici, je ne sais pas. Mon numéro ne passe pas.
Cargo. Non, non, j'ai deux numéros. Ça, c'est mon numéro personnel. Tu vois, non, que t'as appelé avec là. D'accord. L'autre ne passe pas. L'autre passe, c'est que je suis en train de faire le live avec. Ah, voilà, donc c'est ça, non. Ma cause, c'est comment? Tu es toujours dans le Japon, parmi toi. Maman, elle veut faire comment? Je veux sortir du Japon. On dit qu'il faut. Quitte Facebook là, les faux profils de Facebook là, ils te tirent dans la haine, ils ne donnent rien. Je dis que même. D'accord? Oui. Viens sur TikTok, tu vas me remercier. Ah bon? Viens sur TikTok, c'est l'heure. Tu comprends, hein? Ma coach est sur TikTok. Je te dis que viens sur TikTok. Moi, maman, quand tu fais, tu me dis non, je vais monter, maman, faire notre soco dans ton panel. Je dis que viens sur TikTok, je vais te bipper. Tu vas me remercier si tu as TikTok. Toi-même, tu vas finir le live. Tu vas regarder l'argent. Tu vas dire qu'on donne un million d'euros, que le Seigneur te bénisse. Les gens de TikTok, là, les gens de Facebook, si tu veux, les followers, comme ceux qui sont là, qui écoutent, là, qui écrivent, qui insultent, parce qu'aujourd'hui, tu parles ce qui les arrange. Demain, quand tu vas pas parler, ils vont me laver. Je connais Facebook, toi. Non. Je connais Meta, non. Ils vont merci. Me laver. Hey. Ils vont me charger. Merci, moi, je vais lire dans les mains. Les Lulumania et les Abel. On se connaît sur Meta. Tu n'es pas fait pour les histoires là. C'est l'heure, ma. C'est l'heure. Je te dis que c'est l'heure. Viens sur TikTok. Tu vas apprécier. Tu vas me dire qu'un dollar. Merci. Ah bon, dollar. Viens sur TikTok. Je te dis, ne perds pas le temps sur Facebook. Ils ne peuvent pas. Les gens là, ils ne peuvent pas. Combien t'as envoyé les étoiles? Même les étoiles là, quand t'as vu en coupe d'abord, tu ne sais même pas. Mais sur TikTok, tu vois directement ton argent affiché. Je te dis la vérité, Mado. Tu comprends, non? Donc, tu es sur TikTok. J'ai fait quand même quelques lives sur TikTok. Mais le problème, c'est que combiner les deux, c'est pas facile aussi. Hein. Mais c'est parce que tu es concentré sur Facebook. Parce que le truc, c'est que. Quand tu as déjà habitué au vu, comme tu as 200 là, parce que tu es dans le Japon, le jour où tu ne vas pas parler le Japon, toi, tu sais, tu n'aurais même pas ça. Maintenant, alors, sur TikTok aussi, on commence à te connaître. Ne regarde pas les vues, hein, ma. Ne regarde, parce que c'est les vues qui font que les gens de Facebook ne veulent pas quitter Facebook. C'est à cause des vues, il faut qu'on se dise des vérités. Mais Fleur est quitté, non? Fleur est quitté, non? Je dis que si tu ne veux pas quitter de Facebook pour venir à TikTok, tu quittes par exemple 250 vues là, tu viens sur TikTok, tu as par exemple à 50 vues, 20 vues, tu te dis que oh, ça fait de quoi, ne te décourage pas. Et avec là, tu ne fais pas le Japon, tu sais ton ligne éditoriale, tu connais ton ligne éditoriale. À l'aise, il y a un mal de casse. C'est ça qui est à la une. Tu as compris avec quoi? Je comprends, Mako. Donc, tu fais les doigts à TikTok jusqu'à. Maman, on est ici, là, même les toits, même un étoile, ils donnent pas, ils sortent les gros yeux pour regarder les gens. Ton temps sur TikTok, les filles là ne te payent pas la bouffe que tu bois là. Ça ne te paye pas ça. Comme tu dis là, maman. Je te dis que ne paye pas ton temps, maman. Je te dis la vérité. Moi, je suis. Quand je dis que j'ai fait ma paix sur Facebook, je suis parti, je me suis installé sur TikTok. On me lave, j'arrive même dans les panels, on me descend, je fais un peu, non. Maman va créer, je te parle des panels des vieilles peaux. Moi, papa, moi, pour entrer dans les panels des enfants, là. Les petits enfants. Non, je ne veux pas te parler des enfants, là. Eh, tu as le courage, tu as la force. Maman, les enfants, là, sont violents. La bande de Oshiga, elle est. Pardon. Maman, il ne peut pas quitter le clan de Facebook, il revient encore sur TikTok, elle est entrée dans la gueule du loup. Maman, oh. Je te dis que hier, seulement, j'ai fait un panel ici sur TikTok. Je ne te dis pas ce que j'ai gagné. Je ne te dis pas. Je ne te dis pas ce que j'ai gagné. Pas pour te dire vraiment, si tu veux. Je ne peux pas me biper, je vais m'asseoir dedans. Dans TikTok, ne reste pas que scotché avec les Camerounais, là, les Camerounais ne donnent rien. Ouvre ton panier à tout le monde. Quand je dis d'ouvrir ton panier, oui, à tout le pas, monde. Oui, si elle pas sur TikTok, je ne veux pas me focaliser sur les Camerounais comme j'ai fait avec Facebook, non. Merci, tu as compris. Moi, c'est ce que les anciens blogueurs ont fait. Ils ont pris les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. Ils croient que c'est leur histoire. Personne d'autre ne doit. Même les coachs à mon chic, elles ne sont plus sur Facebook comme ça, elles sont plus TikTok maintenant. Hein.
Mais ils vont te dire, ils sont accaparés les réseaux sociaux là, surtout Facebook, ils croient que c'est pour eux. Il n'y a même pas que pousse-toi, tu t'assois. Non. Si tu ne fais pas, tu ne danses pas les chansons, tu n'es pas le bienvenu. Et à un moment donné, c'est fatigant, surtout les gens comme nous là, que tu as envie de faire ta ligne éditoriale, tu as envie d'être free. De rester là, faire les éloges, un groupe, le jour où tu vas dire que non, ça devient, tu serais le. Lynché par tous les gens qui t'ont dit merci, bravo, on t'aime beaucoup. Mais là, c'est toi aussi sur le profil. C'est toi aussi sur le profil, si. Oui, non. Ya, Ndolé. C'est toi. Et ton profil, là, c'est toi. Merde, Ndolé. Mais ici, tu dois encore être très jeune, non? C'est une vieille photo. Non, c'est pas très vieille, donc ça dure de 2014. Merde, tu t'es stylé ici, hein? Je te jure. Ouais. Si on dit à quelqu'un que c'est toi maintenant et celle-ci, c'est deux mondes différents. Mais I don't believe it, hein? Je peux montrer aux internautes comment tu es belle là. Tu es très belle, hein? Ils vont voir mon numéro, pardon. Non, ton numéro ne s'affiche pas, il ne faut pas montrer ça, ne s'affiche pas. Regardez Ndolé. Voilà Ndolé Mignon, elle n'était pas costaud comme elle est maintenant. Ndolé, tu n'as jamais été costaud, tu étais stylé. Non, j'ai toujours été ronde, mais pas... Non, ça là, ça n'a rien à voir avec toi maintenant, là voilà. Ça n'a rien à voir avec toi, hein. Même quand tu me vois dans la vraie vie, tu vas croire que Facebook, tout le monde me dit ça en fait. Que Facebook me grossit. Quand je dis Facebook me grossit, dit que quand il me voit dans Facebook, il pense que je suis grosse. Mais quand il me voit dans la vraie vie, il dit que attends, c'est tous les millions dont tu as maigri. Regardez. Beaucoup de gens m'ont dit ça, que Facebook, quand je me suis. Ici, là, la photo aussi, même je suis plus costaud que toi. La photo aussi. Regardez. Ici, la photo de la vie. Ndolé, ça n'a rien à voir. La photo aussi n'a rien à voir avec toi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé à nous chez les blancs ou quoi? Là, j'étais toujours chez les blancs, non? Est-ce que j'étais non, mais regarde toi-même, tu étais très belle ici, là, stylée, bien. C'est pas que tu n'es pas belle, hein, mais tu avais quand même une ligne. J'ai pris du poids, ma part, c'est vrai. Regardez là, voici Ndolé Mignon, est-ce que vous pouvez croire que c'est elle? Merde. Ma femme vient sur TikTok, tu ne parles. Et quand tu arrives sur TikTok, hein, règle numéro 1, tu ne parles de rien de Instagram, de Facebook. Tu laisses Facebook derrière toi. Oui, tu ne parles pas du Japon de Facebook. Tu vas voir tous les teams là. Elles sont tous sur TikTok, mais avec leurs vrais profils. Hein. Les faux profils là que tu n'est-ce vois. Pas? Parce qu'à TikTok, il n'y a pas trop les faux profils là-bas. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup. Et il y en a, mais il y a, c'est pas comme Facebook. Qui autorise trop les faux profils? Ils ont trop versé la haine sur Facebook, donc ils sont obligés de faire ça. Et TikTok contrôle les mots. Même quand tu écris certains mots-là, TikTok te bloque. Lui-même, TikTok te bloque. Il ne laisse pas le laisser aller de Facebook. Ça ne rigole pas. On dit qu'à TikTok, ça ne rigole pas là-bas. Oui, même quand tu parles un mot bizarre, il te bloque. TikTok lui-même, hein, c'est pas même la personne, TikTok lui-même te bloque. Souvent, tu es même dans un panel, tu as dit quelque chose, TikTok te fait descendre lui-même, il te jette par terre. N'est-ce pas? Oui. Ça fait que les gens contrôlent leur. Moi, j'ai fait les lives TikTok. TikTok coupe mon live seul, en direct. Mais parce que tu dis les choses qu'il ne faut pas. C'est pour ça, si tu es en live sur TikTok, ça coupe, hein. Ça veut dire que tu as dit quelque chose qui ne veut pas, ils t'ont donné avertissement, tu n'as pas compris, et tu as laissé les gens dire n'importe quoi, ils ont coupé le live. Donc, oui, ils ont coupé le live. En tout cas, je vais t'appeler après, fini d'abord Facebook. Ok, il faut que quand tu pars à TikTok, tu me dis, oh maman, viens m'asseoir là-bas, tu fais l'argent. Je te dis, c'est là-bas TikTok, hein. Tu as la possibilité que moi je fais le live, toi-même tu es invité, tu gagnes plus que moi. Ah bon? Ben oui. Ce qu'on te donne, c'est pour toi, ça n'a rien à voir avec ce que moi on me donne. On peut te donner un lion là-bas qui coûte 500 euros.
Parce que tu as dit quelque chose, tu as appris à quelqu'un. Il te donne 500 euros. Attends, voilà quelqu'un qui dit que... Attends un peu, Ndolé, Ndolé, attends un peu. Emma, tu dis... Coupe ton live, on va parler après. Après, donc elle finit le live. Je t'appelle, on parle. Oui. On va aller faire nos socos sur TikTok maintenant. Moi, je suis fatigué de Facebook. Les gens sont là, ils sortent les yeux, ils me regardent. Quitte là-bas, ça te... C'est, non, ça me ramasse, non, Ndolé. Je t'ai vu quand tu es arrivé, tu as beaucoup à dire, tu as beaucoup à faire. Ça me rabaisse. Je te dis, ça te rabaisse, c'est vrai? Ça te rabaisse, tu as beaucoup à dire, tu as beaucoup à faire. Et les gens m'ont donné de ces noms bizarres, les ma femmes là, les mâles, le fombo, les noms bizarres, les noms des Yougos là. Ils ont pris sa mère sur une vraie caviar comme moi. Les noms bizarres, les mapas. Les pas mapa, que signifie mapa? Les noms bizarres là, ils ont collé ça sur moi, Ndolé, tu te rends compte? Les classes d'or. Une grande femme comme moi, on m'appelle mapa, moi Dorcas. Moi-même, je n'ai pas eu qu'un nom là-bas, même quand j'ai dit que j'étais de classe, vous m'avez loupé. Et hier, ta patronne m'a dit mapa, tête de papin, pardon, tu dis que j'accepte tous les noms. Mais patron, toi aussi, tu as acheté sur elle. Non, c'est ça que non, j'ai dit que j'accepte qu'elle me donne. Tous les noms, même tête de papa, ce n'est pas moi, c'est Mère d'Aloi. L'autre là seulement, ce n'est pas moi. Non, c'est légitime. C'est légitime. Est-ce que je suis en train de me plaindre que Pépé, tu m'as clashé? Non, c'est légitime. Mais ma tête de papa, là, je ne peux pas accepter Ndolé. Dis-lui que non, l'autre là doit retirer. Le nom là, c'est pour Mère d'Aloi, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas moi qui ai tête de papa sur Facebook. Ce n'est pas moi. Chacun son nom sur Meta, c'est pas moi. Tête de papin de 15 là, je ne refuse Ndolé. Moi, je suis en paix sur Facebook. Non, c'est ta patronne. Tête de papin là, tu dis que rien que ça, je ne suis pas d'accord. Tu fais ma soeur et ça ne bouge pas. C'est ça que je dis que tête de papin là, toi-même, tu vois que j'ai une tête de papin, Ndolé. Regarde ma tête. Vrai. Non, tu n'as pas une tête de papin. Voilà. Tête de papin, c'est Mère d'Aloi. Ce n'est pas moi. C'est elle qui a la tête comme l'igname. C'est pas moi. Ah, tu vois, ça veut dire que si elle a la tête comme il y a, toi-même tu as la tête de papin. Non, c'est elle qui est reconnue officiellement sur Facebook, elle est tête de papin, ce n'est pas moi. Comment toi tu fais que tu n'as pas la tête de papin? Mais depuis des décennies, qui est-ce qu'on appelle tête de papin sur Facebook? Madoka, prends un papin, tu me colles à côté de ta tête. Non, mais chercher le papin, Ndolé, elle ne peut pas accepter, elle ne peut pas. Ndolé, l'autre là seulement, non. Je refuse tête de papin là. Je refuse. Non, dis à maman Pépé que tête de papin là seulement, j'ai dit non. J'ai dit non. Madoka, qui dans les histoires là, ma cour, pardon. On va parler après, ne parlons pas ici. Ok, ma. Je te dis ça, c'est pour ton bien, ma cour. Non, quand tu as TikTok, tu me bip, maman. J'ai TikTok, non. Tu me bip. On passe à soi là-bas, maman. Nous tous, on va sauf Kala. Tu vas voir. Je vais venir trouver ma petite sœur Nicole qui est là-bas. Même aujourd'hui, si tu as le temps. Maman, je fais quoi? J'ai l'enfant que j'allaite, maman. Je ne veux pas les faire. Les gens de Facebook là-dedans, je ne dis rien de mes choses de TikTok sur Facebook. Quand ils restent là-bas insultés, je ne suis plus là-bas. Même ceux qui me voient sur TikTok, quand ils viennent, ils ne m'insultent plus. Hein. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question. Que penses-tu de ta guerre avec la guerre de ta patronne à Egrita? Que penses-tu? Qu'ils veulent que tu donnes ton avis? Quelqu'un a écrit ça? Madokas, moi je te parle de quelque chose de sérieux. Ça veut dire que toi tu me respectes pas. Hein? Non, je comprends, mais je vois une question que quelqu'un a posée. Que je pardon. Je n'ai rien à dire sur les histoires de Facebook. Voilà. Vous avez compris, non? Elle a dit qu'elle n'est plus sur Facebook, elle n'a rien à dire. Ne m'intéresse pas. Voilà. Ne m'intéresse plus. Ils ont dit qu'ils vont rester dans la boue, tout, et les followers là qui veulent rester dans la boue, qui pour le moment rester dans la boue. Moi je t'ai dit, Dorcas, je t'ai dit, toi, tu as une ligne éditoriale que je te connais, je t'ai connu avec. Mm-hmm. Tu es un peu dans le Japon parce que toi-même tu aimes l'argent. Je veux faire comment? Si Bamileke, non, maman, tu ignores quoi? Tu ignores quoi? Si je suis une galafiste, non, maman. Nous, les galafistes, avec l'argent, c'est une histoire d'amour. C'est l'argent sale. Et comment, ça te délivre. Ça te rabaisse. Tu as même cet argent, mais ça ne fait pas ta valeur parce que tu n'es pas un bon argent. C'est comme l'argent des gens qui vont pour. Les gens disent qu'ils aiment le Japap.
qu'elle doit rester que dans le Japon. Le chat, l'histoire de Facebook, là, qu'il faut dénigrer les gens, il faut insulter les gens. C'est l'argent que même si on te donne ça, Mado. Donc, là, Yanka Aïcha Kamoa veut faire, là, c'est le mauvais agent. Attends, Aïcha Kamoa, c'est une commerçante, hein. Mais elle fait le Japon. Elle est sur la vie des gens. Mais derrière le Japap, elle fait aussi son commerce. Mais elle fait plus d'argent sur le Japap. C'est le Japap qui est sa première source. Comment tu sais qu'elle fait plus d'argent sur le Japap? Elle fait l'argent sur Meta, non, maman. Elle fait l'argent sur Meta. C'est sa première source. Elle gagne l'argent parce qu'elle fait ses commerces. Elle fait son commerce. Aïcha, c'est une vieille commerçante. Aïcha a des contenus. Aïcha fait des. Elle est... C'est une productrice, c'est une actrice. C'est... Ne le vois pas seulement parce qu'elle a dit venez, oh, venez. Oh. Derrière, quand tu vois, elle a beaucoup de chaînes. Elle a les chaînes YouTube qui tournent 2000 à l'heure. Hein. Mm-hmm. C'est ça qu'elle dit que, mais YouTube, qu'est-ce qu'elle parle à YouTube? C'est pas le Japon. C'est pas la vie des gens. Elle met ses contenus là-bas, elle met ses œuvres. Ses contenus, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens, c'est de ça qu'il s'agit, non? Non, Madoka, si tu... bon, en tout cas, si j'ai mal parlé, excusez-moi. Non, non, je l'ai dit, on veut seulement comprendre. Est-ce que c'est que tu as mal parlé? Mais parce que la manière que tu parles, c'est comme si tu fais plaisir à tes followers là qui te suivent. Non, est-ce que les followers ont besoin qu'ils parlent d'Aïcha? Est-ce qu'ils ont besoin qu'ils parlent d'Aïcha? Et c'est ce qu'Aïcha fait dans le Japon. Et ça la paye. Pourquoi elle a accroché dedans? Madokas. Oui, maman. Aïcha a commencé dans ses œuvres du cinéma. Mm-hmm. Ce n'est pas le Japon qui a amené Aïcha sur Facebook. Le cinéma Aïcha, a rapporté quoi, Aïcha? Aïcha. On a connu Aïcha sur Facebook dans ses films, dans ses séries, machin. C'est là où moi j'ai connu Aïcha. Mm. Maintenant, elle a vu que le Japap aussi attire du monde. Elle a associé ça au Japap. Elle a associé ça au Japap parce que c'est aussi une manière de chercher de la visibilité. Elle n'a pas tort. Mais derrière cette visibilité-là, elle profite parce qu'elle fait aussi le business derrière. Et quand je dis business, du vrai business, elle gagne énormément. Elle gagne énormément. Toi, quand tu vendais tes maniocs là, n'est-ce pas, ton agent de manioc, là, tu as vendu les maniocs comme le petit pain, non? Parce que tu étais sur Facebook, non? Voilà. Eh bien, vendu mes maniocs. Moi, voici, j'ai entré rentrer au Cameroun, non? J'ai fait mon chiffre. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mon mari, quoi, va gérer ça avec ses frères, quoi. C'est tout. Vous m'insultez tous les deux sur Facebook. Pardon, venez prendre votre frère. Toi-même, tu nous laisses. Je veux maintenant le planter, Mamleke. Allez prendre votre. Moi, il y a trop. Oh, c'est notre frère qui te mougou. Pardon, venez le prendre. Je vais chercher maintenant Mamleke. C'est trop. Mais toi-même, tu le mougou, non? Non, pardon, venez chercher votre frère. Venez chercher votre frère. Maintenant, cherche quand même Mamleke. De toute façon, ce que je suis en train de t'expliquer, si tu veux comprendre, comprends, maman. Si tu veux pas comprendre, écoutez les femmes qui sont cachées derrière les. Faux profit pour attirer la haine. Tu pour sais te que... voir les gens t'expliquer. Nolé. C'est ton problème, ma soeur. Les gens sont restés là, dit que, oh, Dorcas a quitté les États-Unis pour aller faire les champs au Cameroun pour voir le maillon. C'est que les gens n'ont pas compris que l'agriculture, c'est un secteur quand même qui paye, hein. Plus que les habits des gens sans que les gens vendent là. Nolé, je vendais un sac à 55. Si je vends 10 ça fait combien? Attends, maman, si je vends 10 sacs, ça fait combien? Ça fait 550 000. Je vends 100 sacs, ça fait combien? 100 sacs de foufou, ça me fait combien? 5 millions et poussière. Si je réussis à sortir 300 sacs de foufou, ça fait combien? Je suis à près de 15 millions et poussière. C'est que les gens n'ont pas compris que l'agriculture, ok? L'agriculture, c'est le secteur que vraiment tu peux trouver ton compte. Là où quelqu'un. Et tu sais que l'année prochaine, il n'y aura pas la nourriture, mes gens. L'année prochaine, il n'y aura pas la nourriture à vendre. Parce qu'il y a eu un mauvais climat cette année. J'ai mis le maïs au sol, tout le maïs, le soleil a tout brûlé. Il n'y a pas eu de pluie. Le soleil a tout brûlé. Il n'y a pas eu de pluie. Avec le pluie, quand on dit qu'il a pluie, je suis Douala. Non, 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 Douala, on fait, il y a quel champ à Douala. Les champs sont dans les zones un peu reculées. Il n'y a pas eu la nourriture. Je suis en Djiki. Est-ce que je fais le champ à Douala? Tout l'Ouest, il n'y aura pas la nourriture à l'Ouest l'année prochaine. Tous les champs de l'Ouest ont brûlé par le soleil. Il n'y a pas de pluie à l'Ouest. Donc l'année prochaine, là,
il n'y aura pas la nourriture. Les gens vont faire comme ça. Ils vont manger le macabo qui va venir de... Même le macabo va sortir d'où? Jusqu'à présent, le macabo n'est pas... Ce que j'ai à commencer à vendre le macabo. Jusqu'à présent, il n'y a pas le macabo. Par manque, il y a eu trop de soleil. Le macabo apparaît moment. Le macabo commence à être sur le marché en octobre. En octobre. Mais Mado, pourquoi tu n'as pas cherché un truc pour arroser ton champ quand il n'y a pas de pluie? Le problème, c'est que le champ n'est pas à côté d'une rivière aussi. Mmh. Tu comprends? La rivière est très, 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 très loin. Oui, c'est loin. Ce n'est pas une rivière. La rivière est quand même éloignée du champ. Est-ce que tu pouvais chercher une pompe à irriguer? Hein? Chercher à irriguer le champ. Oui. La rivière est quand même... Maman, tu as une agriculture moderne. Tu fais de l'agriculture moderne. Tu ne fais pas comme pour les mamans. Il y a quelqu'un qui dit qu'il pleut à l'ouest correctement. Et bien, la pluie vient de commencer. Regardez que les mamans ont cultivé depuis mars qu'on a cultivé. C'est maintenant qu'il pleut. Maintenant il pleut là, ça trouve encore quoi au sol. Maintenant, non, ça veut dire que les choses vont quand même pousser, non? Ça y a gâté, c'est à gâté au sol. Quelque chose, on a mis le maïs au sol en mars. Ça a pourri. Il n'y a pas eu le sol, il n'y a pas eu de pluie. D'accord. Même la deuxième saison de qu'on met le maïs au sol, il n'y a pas eu de pluie. La deuxième saison, en août, là, il n'y a pas eu de pluie à l'ouest. Il n'y a pas eu de pluie. Le climat a changé au Cameroun, sérieusement. Donc, l'année-ci, il y aura pénurie de nourriture. 2025, là, chacun va lire le sac de maïs va monter à 100 000. Actuellement, le sac de 25 kilos de macabo, c'est 60 000. Moi, je donnais 100 kilos à 60 000. Maintenant, le sac de 50 kilos, c'est 60 000. Le sac de 100 kilos, c'est dans les 100 000. Maintenant qu'on parle. Il n'y en a même pas. Regardez à quel niveau on est au Cameroun maintenant. Regardez à quel mais niveau. Mais les gens vont manger autre. Ils vont manger le riz. Ah, même le riz, ça va être facile. Regardez tout le nord là. Le barrage qui s'est qui a lâché là. Ça a inondé tous les champs. Donc, la nourriture qui vient du nord, cette année-ci, il n'y aura pas comme ça. Hein, parce que le barrage qui a lâché là a détruit les champs des gens. Grave. Ça a emporté les bœufs. Donc, la nourriture aura pénurie au nord. Nous allons faire quoi? Nous allons pour déranger les gens qui n'en avaient pas besoin. Donc, mieux, je bats aux États-Unis, pas d'abord choquer mon frère. Ben, si tu vois que c'est. Tu ne produis rien pour le moment, tu vas produire ailleurs. Tu as une piscine sous-marine. Voilà, voilà une personne qui dit que même en Europe, c'est tout gâté. Il y a changement de climat, il n'y a plus la nourriture. Je vous dis là, j'ai mis la nourriture au sol, j'ai même mis le haricot, rien, manque de pluie, rien. J'ai mis le haricot, j'ai mis le maïs, j'ai mis le manioc, j'ai mis le rien. C'est moi qui vous dis. Ciao. Donc l'année prochaine là, ça va être dur, ça va être dur. Si quelqu'un réussit à sortir 500, il va vendre même le sac à 200 000 l'année prochaine. Les familles vont souffrir. L'année-ci, déjà, il y a d'abord les difficultés. La nourriture est excessivement chère cette année. Je n'imagine pas comment ça va et être. Et quand les gens vont manger comme ça, on va souvent dire que c'est parce que pour bien. Ils ne vont pas dire que c'est le climat qui non, n'a pas non, c'est le produit. Climat, c'est le changement climatique. Il y aura pénurie de nourriture. Hein? Il n'y aura pas la nourriture au Cameroun cette année. Ah, il n'y aura pas. Donc, je dis que le climat n'a pas été favorable pour l'année. Il faut seulement que les gens s'adaptent à d'autres choses. On va seulement tirer là où il ne faut pas tirer. Mmh. Ah oui. En tout cas, maintenant au Cameroun, on ne prononce plus le nom du Nkunguma n'importe comment. Le doigt est mauvais. C'est ce que j'ai appris. Quand on vous a dit de prononcer le nom du Nkunguma. Maman, le rafle de ça. Tu me regardes seulement un jet, on te rafle. Le rafle de ça. Tu ne vois pas que c'est parce que les gens aussi exagèrent. Hein? Maman, les gens exagèrent. La paix est bien haut. Moi, je rentre d'abord aux États-Unis. Ce n'est pas moi, Camerounais. Non, je ne me mêle pas, moi, des problèmes internes du Cameroun. Pardonnez-moi, je suis américaine. Pardonnez.
appelle bien. Comment dit ça? Quelqu'un m'a dit ça comme on connaît les interdits. Ah, maman, le rafle. Tu regardes seulement comme ça, maman, on t'embarque. Tu regardes seulement. Il y a que regarder un jeune genre, on t'embarque. Le rafle de ça en ville. Le rafle. Donc, chacun est dans le qui vive maintenant. Ça ne donne pas le lait. Je suis moi seulement dans mon coin jusqu'à maman le jour qu'elle doit partir là. J'ai pas moi entré dans mon vol. J'ai pas moi doucement maman. J'ai pas moi, j'observe à distance. J'observe qu'à distance, pardonnez. Attendez, je pars. Attendez, pas. Vous pouvez ne me concerne à rien. Je te laisse finir ton direct tout à l'heure. Ok. On se prend après. Ok, maman. Laisse ma yam soeur là comme ça. C'est toi qui l'as attaqué. Maman, nous laisse moi donner mon avis. Tu sais que je n'ai pas. Non, je sais que je n'ai pas le pouvoir avec Pépé, tu non. C'est que quand il donne mon avis, ça fait mal. Ça fait mal, non, maman. Mais il doit parler. Oui, mais parce que ton avis, mais aussi toi aussi, la manière que tu as donné ça là, tu as. Est-ce que, attends, vrai, je l'ai insulté. Si tu me dis que je l'ai insulté, je vais lui demander pardon. Je l'ai insulté, maman. Mais oui, tu l'as insulté. J'ai suivi. Dis-moi un peu un mot que tu connais. Quand elle dit qu'elle est sortie de classe et elle fait encore ce genre de décryptement, de décryptage, ce n'est plus le décryptage, c'est les attaques. Non, maman. Quand quelque chose vient, c'est toi qui as dit que Aïcha Kamoise ne fait pas danse. Elle décrypte, elle dit que quand quelque chose arrive, non, on doit parler, non, maman. Depuis qu'ils sont en train de parler, est-ce que j'ai un jour parlé? Pardon, oui. Décrypte, mais décrypter et faire le clash, c'est deux choses différentes. Va donc, mieux je sors même le décryptage là, parce que demain, là, quand elle va venir décrypter ma foule, les abeilles vont me charger. Tu l'as clashé, tu n'as pas décrypté, tu l'as clashé, Pépétu, si tu as le ressenti que tu es clashé, maman, pardon. Pardon, Pépétu, je ne veux pas moi te clasher, maman. Je vais te clasher que tu m'as fait quoi, maman? Est-ce que tu m'as un jour provoqué? Je vais te clasher pourquoi? J'ai vu les découpages là. Non, maman, ce n'est pas le clash. J'ai donné mon avis. C'est comment, non, maman? Maman, elle est revenue encore sur les clashs. Non, maman, je n'ai pas moi clashé. Non. Non, je n'ai pas clashé, Pépétu. Non, pardon. Non, j'ai donné mon avis, maman. Quand il faut appeler le chat, non. J'ai donné mon avis. Il a clash pourquoi? Ok, quand tu appelles chat, quand on va mettre alors à la tachop d'ail, à cette heure, tu ne vois pas. Mais voilà ça que les TKC, ils seront comme ça en tas sur moi depuis hier, non, maman. Je bouffe ma part de Ndjangi avec les TKC. C'est me plaindre, maman. Le Ndjangi de ça. Le Ndjangi. Mado, vraiment, ça ne nous honore pas, ma soeur. C'est ça que je vous fais un gros Ndjangi chez Lisette avec les Christians de Monaco. Non, moi, je sors de Facebook, j'ai honte, hein. Sincèrement, j'ai honte. Ah bon? J'ai honte, non. Mais oui, j'ai honte. Honte pourquoi, ma pauvre? Mais tu as clashé, on t'a aussi clashé, non? Non, par rapport, quand je dis j'ai honte, c'est les yeux des gens quand tu regardes. Et quand tu te regardes, par exemple, donc, quand tu veux pour écouter, recrute souvent tes directs. Ah bon? C'est très important. Hein? Tu réécoutes tes directs, toi-même tu écoutes ton direct. Parce que quand tu parles là, tu parles, tu lis les commentaires, ça t'excite. Les gens là, ils disent, oh, donc quand tu es la meilleure, toi si tu fais que verser, oh, pour ma, est-ce que je suis encore à ce niveau-là comme manipule, maman? Je connais quand y a tu vas t'asseoir, tu réécoutes ce que toi-même tu as fait. Toi, tu vas dire que. Non, là, alors, j'ai fait ça fort. Je te dis, c'est aussi très important que de temps en temps, les regards peuvent parler là déjà. Regarde toi-même ton travail. Tu demandes si tu étais quelqu'un qui tombe dans un direct comme ça, qu'est-ce que tu en penses de la personne qui parle? Tu vois, toi-même, ça ressenti, ça aide aussi. Yeah. Ça aide aussi. Maman, il est venu sur TikTok. On va laisser le congolais de Facebook. Il vient sur TikTok, maman. Laisse ça, ma connaissance, dis-donc, laisse. Ce n'est pas quand, ton niveau là-bas. Quand tu lances là, appelle-moi sur TikTok. Viens, on fait le Japon. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler, ma soeur. Okay. On doit faire notre panel. Ça, parce qu'à TikTok, on n'appelle pas les noms des gens de Facebook, hein. N'est-ce pas? On les laisse derrière, non? Tout le monde reste sur Facebook. Okay. À TikTok, on fait le sujet, on débat. Les gens montent, ils donnent les avis, ça débat. Mm-hmm. Rien à voir avec Facebook. Okay. Parce que si tu leur ramènes le sujet de Facebook, ils vont te dire retourne là-bas. Il paraît qu'il y a un bébé TikTok qui est en route. Ah bon? Il paraît que TikTok paye grave, qu'il y a les bébés TikTok qui sont en route déjà.
Ado, à tout à l'heure. Ok, merci ma. D'être au Costa. Ok, maman, le goût de Sao. Oh, le goût du Japapo. Mais Jean, on va faire comment? On n'est que dans le Japon, non? Bien, boya. Donc, on va conclure le live. On va dire que quoi? Le dossier compresseur et le dossier Lolo, ce n'est pas la même chose. Lolo assume que elle trompait son gars, elle assume. Or, compresseur ne veut pas assumer qu'elle a arraché le gars de Tatiana. C'est ça le problème. Lolo assume. On va encore venir faire quoi à un pro. On va encore venir faire le procès à quelqu'un qui assume déjà que oui, j'ai fait. On ne peut pas faire le procès à quelqu'un qui assume que j'ai fait. Elle dit qu'elle a fait. Qu'elle a fait. Elle reconnaît qu'elle a fait. Et qu'à un moment donné, elle a eu pitié de lui, qu'au lieu qu'elle fait souffrir quelqu'un, mieux il passe chercher ailleurs. Et elle n'est pas en guerre avec la nouvelle femme. Chacune d'elles, chacune est dans son couloir. En train de faire sa petite vie. C'est vous qui voulez à tout prix que les deux femmes se clashent. Mais sinon, Lola est dans son couloir. La nouvelle femme de Fondja est dans son couloir. Ouais, Adama est. Merde. Elle ne sait pourquoi j'ai souffert. Bon. Mais Jean, on a fait le choco, non? 72 personnes qui aimaient le live. On était à presque plus de 280 personnes connectées. Hein? 73 personnes ont liké. Pardon. Sortez, vous likez la vidéo avant qu'on se sépare. Vous m'avez pas donné les étoiles. Likez même, envoyez même les cœurs. Likez le live. Envoyez les cœurs, ça ne vous coûte rien. Je vous ai fait le second. Vous voyez pourquoi nous donnons millions d'autres qu'on parle à TikTok. Non? Et je crois que la raison, millions pas à TikTok. Millions pas se pardonner à TikTok. Mieux on passe par Vanna à TikTok. Ok. Mieux, mais gens, on passe par Vanna à TikTok. Vous voyez comment? Allez, un peu. Hein. Allez vous abonner sur mon Twitter, Dorcan Dink. Ok. Voilà mon TikTok. Voilà mon TikTok, Dorcan Dink. Ok. Allez vous abonner. J'ai 3663 personnes qui me suivent actuellement. Et TikTok demande combien de personnes? Hein? Mais j'ai moi-même qui ai posté à TikTok. J'avais les vues, hein? J'avais les vues des. J'ai 93 000 vues sur une vidéo. J'ai 157 000 vues. Une autre vidéo, j'ai 124 000 vues. Une vidéo encore, j'ai 10 000 vues. J'ai 3 000 vues, j'ai 7 000 vues, j'ai 15 000 vues. 3 000 vues, 8 000 vues. 6 000 vues,
9000 vues, 29700 vues. Waouh, 4000 vues, 3000 vues, 2000 vues. Mais Jean, moi-même j'avais les vues à TikTok. Et ça m'a négligé TikTok aussi. Pardon, allez vous abonner à ma page. Non? Allez soulever Mandon là-bas. Qui va se négliger, mes gens? Maman, c'est grave. Regardez Lolo Beauté. Elle prépare le Njansan à direct, maman. Dans le seau. Elle tourne le Njansan à direct dans le seau pour vendre. C'est grave. Mes gens, la paix est bien. La paix est bien. Bon, je vous aime. Bisous. Mouah.